Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent avec Sébastien. Et je remercie Sébastien d'ajouter une petite touche masculine dans mon calendrier de l'Avent. Même si ton sujet est un petit peu dark, hein, c'est un petit peu négatif tout ça, oulala. Donc nous allons lire ensemble ta question. Et tu m'as envoyé ce mail en me disant « J'ai remarqué plusieurs vidéos qui mentionnent la fin de notre monde tel qu'on le connaît. » Oh bah la vache, là, je sais pas dans quel rayon tu as trouvé ça, parce que bah, nous, on est censé être dans le bien-être, développement personnel, développement de conscience. Donc, on essaye toujours de voir le positif dans toute chose, c'est-à-dire que même dans l'épreuve, il y a une leçon. Même dans l'échec, il y a une expérience qu'on en retire. Mais alors là, carrément, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Je sais pas. Je suis pas au courant. J'ai pas entendu parler de ça. Ce sera le combat de l'ombre contre la lumière avec beaucoup de départs d'âmes de notre terre. Alors, Sébastien, mon petit chat, le combat de l'ombre et de la lumière, ça existe depuis que monde est monde, en fait. Puisque le combat entre le bien et le mal, on l'a déjà à l'intérieur de nous-mêmes. On l'a dans la vie de tous les jours. Tu vois? Je veux dire, tu prends une frise chronologique de notre histoire, tu vois? Depuis que monde est monde, il y a toujours eu des gens qui étaient gentils et des gens qui étaient méchants, tu vois? Il y a toujours eu des guerres. On s'est battu pour des pays, on s'est battu pour des frontières, on s'est battu pour des règnes, on s'est battu pour des forêts. On s'est battu pour un silex. Donc, tu vois, on s'est toujours battu, en fait. Mais c'est la nature même de l'homme, en fait. C'est l'acquisition, la propriété, le pouvoir, l'argent. Ça existe depuis que monde est monde, hein, si tu vois ça comme ça. Enfin, moi, je sais pas, je vois comme ça. Donc... la fin de notre monde tel qu'on le connaît, bah oui, effectivement, ça va pas aller en s'améliorant. Si tu regardes le côté, comment ça s'appelle ah, l'écologie, la fonte des glaces, la pollution, tout ça, ça va pas aller en s'améliorant, je suis d'accord, mais enfin, ça c'est un problème qui existe depuis 50 ans, 80 ans, et en fait on n'a rien fait, donc à un moment donné, l'homme a une faculté extraordinaire à scier la branche sur laquelle il est assis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je pense pas que ce soit l'aboutissement, je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui, ça y est, ça va être la fin de notre monde, mais en fait ça a toujours été comme ça. Enfin moi je sais pas, c'est mon avis, hein, ça ne regarde que moi, mais... moi, je me dis quand même que ça fait quand même quelques temps déjà qu'on n'est pas très fut-fut. Hein, donc, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on s'en... peut-être que c'est aujourd'hui qu'on prend conscience de certaines choses, mais ça fait déjà des années. Alors après, tu dis le départ d'âme de notre terre. Je connais pas en fait ce genre de propos, donc ça va être très difficile pour moi de pouvoir avoir un avis, puisque c'est pas ma cam, tu vois. Ça ne résonne pas avec moi. Et puis moi, je me dis toujours... voyons le verre plein. Enfin, je suis toujours dans un élan de positivité où je me dis, mais si, mais en fait, c'est beau, quoi. C'est le côté très naïf de ma personnalité, sans doute, mais moi, je me dis, mais attends, mais faut relativiser, quoi. Est-ce que déjà, regarde, moi, dans ma condition, est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Je crois pas, non. Moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Je suis en bonne santé, tout va bien, je suis dans un pays formidable. Moi, j'adore mon pays. Des gens vont dire oui mais attends en France machin on a des problèmes, non mais enfin oh, sors ta tête de ta carte de France et regarde ce qui se passe de l'autre côté. T'as vu un peu les gens où ils sont en guerre, ils crèvent de faim, ils sont en train de mourir de maladies partout, il y a des gosses qui crèvent de malnutrition, tout le monde s'en fout. Enfin voilà, arrêtons de nous regarder le nombril 2 secondes et puis on verra que en fait l'ombre C'est quand même ailleurs, quoi. Hein. On a une chance inouïe d'être dans un pays où ça se passe bien. Effectivement, il y a des petits dysfonctionnements, je ne vous le dis pas. Mais enfin, si on vous coupe l'électricité pendant 24 heures, vous allez survivre. C'est pas grave, ça va revenir, d'accord? Vous n'allez pas être obligé de quitter votre maison avec votre baluchon pour aller dans un autre pays, en guerre, au risque de vous faire arrêter par des soldats. Et... bref, vous m'avez compris. Vous m'avez compris, ce serait le plan divin pour nous amener à une transformation. C'est ça, Sébastien, moi, c'est pas mon domaine, quoi. Moi, ça me parle pas, en fait, tout ça. Après, tu rajoutes, il y aura aussi les 3 jours de ténèbres. Oh, bah, merde! Mais c'est l'apocalypse, ton truc. Tu sais, ça me fait penser un peu les... comment ça s'appelle? Tu sais, les cavaliers de l'apocalypse et tout, là. C'est la merde et tout, il y a des insectes qui bouffent tout, après il y a des catastrophes naturelles et tout. Oh là 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 là. Oh my god, que penses-tu de ces scénarios catastrophes? Eh ben écoute, moi je ne pense pas grand-chose, je te dirais, parce que je suis particulièrement concentrée sur la vie et l'espoir. Donc tout ce côté très fin du monde, le chaos, la chute, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour, l'espoir, la vie, l'humour, tout ce qui, en fait, nourrit quelque chose de positif dans la vie des gens. Tu vois, t'imagines si je commence à me concentrer sur des choses comme ça, je pense qu'on va très, très vite sombrer dans une espèce de spirale de négativité. Tu vois, dans le domaine spirituel, on parle beaucoup des spirales comme ça qui sont spirales positives, donc forcément qui t'amènent vers des choses extrêmement positives et qui te font du bien, et toutes les spirales négatives qui te font forcément descendre vers des énergies qui sont très basses. Plus tu vas te nourrir en fait de choses comme ça qui sont particulièrement anxiogènes, parce que quand tu entends « ouais, c'est la fin du monde, machin et tout », on t'a envie de leur dire « écoutez, arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries, vous n'avez pas envie de, je sais pas… faites une fête, je sais pas, faites un apéro géant avec vos copains, je sais pas, un concert de Lady Gaga, et puis voilà quoi, dites-vous qu'en fait ça va bien se passer. » Tu vois? Moi je préfère partir comme ça. Après chacun trouvera ses réponses, son chemin, son je dirais sa vérité aussi, ce qui va résonner avec vous. Moi personnellement, tu vois, c'est des choses, je n'accorde aucune importance à ce genre de choses. Je pense que c'est plus des théories anxiogènes qu'autre chose visant à effrayer une population ou certaines personnes qui sont déjà, je dirais, peut-être dans des états pas forcément très simples, tu vois. Je pense que quand tu es dans des phases de vie qui sont délicates et que tu vois ça, tu te dis, bon, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Et sont tombés. Allez hop, tout le monde au lit. Tout le monde au lit, les enfants. Tout le monde prend sa petite cuillerée de cyanure et hop, à demain. As-tu reçu des messages de défunts ou de guides allant en ce sens? Absolument pas. Absolument pas. Alors, soit ils me les donnent pas parce qu'ils savent que je m'en fous. Ça, c'est une possibilité. Pourquoi pas? Mais moi, mes guides, ils sont toujours en fait dans une espèce d'aspiration positive. Où ils vont, même quand je suis dans des phases de doute ou que je vais pas bien parce qu'il se passe ci ou ça, mes guides vont toujours m'envoyer dans une réflexion et dans une énergie de remise en question pour quelque chose de mieux. Tout le temps. Ils n'ont jamais un discours négatif, destructeur, etc. Jamais, 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 jamais. Même quand j'ai un genou à terre et que je vais pas bien, et que je leur dis « mais là, c'est quand même la merde et tout », et ben eux, ils vont m'envoyer dans cette réflexion de me dire « bah écoute, constate justement que tu peux être confronté à des situations qui sont difficiles pour les gens, mais ça te permet aussi de comprendre que chez toi, ça va. » Tu vois? Moi, j'ai toujours eu des guidances comme ça, quelque chose de très positif. Tiens, je vais te raconter un truc aussi. Hier, tu vois, j'ai une personne, je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus, enfin bref. J'ai une personne qui est venue me voir et je vais essayer de ne pas donner trop de détails quand même, mais cette femme, elle vient et en fait, ça ne va pas du tout, quoi. Il y a vraiment plein de problèmes de vie. Je pense qu'elle est dans une situation, elle est en dépression tout simplement, donc j'essaie un petit peu de faire un bilan en état des lieux de la situation. Et c'est vrai qu'elle a eu des chocs émotionnels qui ont été intenses. Et du coup, je peux comprendre que quand on a un enchaînement comme ça de choses, à un moment donné, on ne sait plus dans quel sens avancer. Je conçois. Et pendant cette consultation, j'ai un homme qui apparaît derrière elle et qui porte un costume militaire. Et donc, je lui dis, il y a un militaire autour de vous, machin. Elle me dit non. Je dis, bah, c'est bizarre parce que j'ai un homme qui est à côté de vous, il porte un costume militaire, mais c'est quelque chose d'ancien, c'est pas quelque chose de nouveau. Elle me dit, je vois pas. Et j'entends des avions, je sens le bruit des avions. Je lui dis, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a été dans l'aviation ou qui a voyagé, ou je sais pas, un militaire peut-être qui a été à l'étranger aussi, pourquoi pas. Et elle me dit, mais oui, ah oui, oui, c'est vrai, j'ai mon arrière-grand-père qui a été en guerre. En fait, il a été prisonnier de guerre, c'était terrible. On a cru qu'il était mort, qu'il ne reviendrait pas. Et au final, il est revenu plusieurs mois après, complètement affaibli, marqué, traumatisé par ce qu'il avait vécu. Et en fait, il a été dans des conditions extrêmes, tellement extrêmes qu'il a cru mourir. Et en fait, son arrière-grand-père lui apparaît, tout simplement pour lui dire, maintenant, stop. Maintenant, stop. Ok, c'est dur, mais regarde, moi j'ai survécu à ça. Donc, tu peux dépasser ça. C'était ça la leçon, quelque part, qu'il voulait lui donner. C'est, regarde, moi, ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses extrêmes. J'ai été marquée par la guerre. J'ai été déclarée mort. Je suis revenue. J'ai repris ma vie. C'est difficile, mais j'ai survécu à tout ça. Est-ce qu'au final, toi, tu ne peux pas survivre à ça? Donc, tu vois, je te dirais que même nos défunts vont avoir cette énergie de nous pousser, de nous donner cette énergie d'avancer pour nous prouver qu'en fait, on peut le faire. Donc, ça permet aussi de reconsidérer ce qu'on vit. Est-ce que la situation est vraiment autant désespérée qu'elle n'y paraît? Je ne sais pas. Chacun porte sa croix, comme on dit. Mais je pense que nos guides sont là justement tout le temps dans un discours positif, etc. Ils ne sont pas du tout là pour nous dire « Ouh là là, c'est la fin du monde, on va tous crever. » Ça serait tellement triste. Ouh là là. Donc écoute, voilà Sébastien. J'espère que j'aurai traité tes questions et que ça, tu seras satisfait, en tout cas des réponses que je t'ai apportées, et puis que ça pourra aussi t'aider, toi aussi, dans tes recherches. Mais je te conseille encore une fois... de rester dans la lumière, en fait, de rester toujours dans une vision positive des choses. C'est quand même beaucoup plus inspirant, à mon sens, que d'imaginer toujours la chute et la destruction. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite vidéo et je vous dis à demain pour une autre vidéo de l'Avent. Salut!